Alors, nous sommes en direct de la librairie éphémère Festival Quartier du Livre et nous avons un visiteur. Donc, on va lui demander, probablement un lecteur aussi. Monsieur, vous êtes d'accord pour participer? On demande toujours l'autorisation. Oui, tout à fait. Vous vous appelez comment, oui, si vous le souhaitez? Pardon? Votre nom? Didier Ménard. Comment vous êtes venu? Vous avez su que ce festival était... J'ai su grâce à la librairie Nicole Marouani, oui, qui est donc boulevard Vincent Auriol. Voilà. Et vous veniez en particulier pour quelqu'un, pour un auteur, ou vous veniez comme ça pour regarder? Je viens comme ça, par curiosité, parce que j'aime beaucoup lire. Donc j'ai vu quelques auteurs qui m'intéressaient. Et j'aurais voulu voir donc Maurice Darmon aujourd'hui, qui apparemment n'a pas pu venir. Voilà. Oui, il a eu un petit souci personnel, enfin familial plutôt. Mais au-delà de ça, je crois que ce qui est intéressant, c'est que c'est son œuvre de Duras qui vous intéresse, comme oui, vous dites tout à fait, l'heure. Oui, tout à fait. C'est une personnalité très particulière. Hein, donc, on pense à l'amande Duras, on pense à Barrage sur le Pacifique, enfin à d'autres choses, d'autres titres. Voilà, c'était aussi pour entendre parler d'elle, me remémorer un petit peu son œuvre. Et pour vous, ce festival, Quartier du Livre, qui quand même dure une semaine, qui est magnifique, ouais, comment vous vivez ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, on ne parle jamais trop de la vie à travers des livres, des expériences et du vécu des gens, donc c'est très très intéressant. De connaître un petit peu la trame de toutes ces histoires et des gens qui les ont écrits, bien sûr. Un grand merci. Nous sommes dans le cadre du Festival du Livre et nous sommes à la librairie éphémère. Merci beaucoup. Merci, madame.